Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasman, on est parti pour la partie 2 du défi Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Et cette fois-ci c'est sur la saga de Freezer. Freezer s'est enfoiré. Carotte, je pars pour la planète Namek. Toi, attends ici, la prochaine fois que l'on se verra, je serai immortel. Oui bien sûr, je vais attendre, hein, je suis tranquille moi. Je viens pas avec toi, j'attends tranquillement sur la Terre. Un type dangereux? Peu importe, tu restes là. D'accord, Vegeta. C'est tout à fait ce qui s'est passé en vrai. Donc voilà, même moi ne peux pas rivaliser contre le commando Ginyu. Alors ce carreau n'a vraiment aucune chance. Cette carotte. Bref, arrêtons nos âneries. Nous allons commencer par combattre contre le commando Ginyu. Voilà, commando Ginyu. Si vous vous souvenez bien... Ils ont enlevé quelques parties quand même. Ils auraient dû mettre quand ils ont combattu contre Apple, hein. Personnage très important qui a le nom d'une pomme, c'est super. C'est une pomme, voilà. C'est un extraterrestre qui s'appelle Pomme, c'est super. Mais Apple, ça fait plus classe en anglais. Et il y avait aussi Kiwi. Voilà. Ils aiment bien les fruits, hein, quand même, les extraterrestres, hein, je sais pas, ils s'appellent tous par des fruits, non, je sais pas, c'est quand même bizarre. Bref, voilà, ils ont combattu quelques soldats de Freezer, avec Sangwen qui utilisait tout son potentiel magique. Et bon, après, ce potentiel qu'a Sangwen, ça n'a pas trop fonctionné contre le commando Ginyu. Et donc Sangoku est arrivé sur Namek pour se faire le commando Ginyu. Oui, parce qu'en fait, il n'était pas allé tout de suite sur le Namek avec les autres, vu qu'il était gravement blessé avant. Parce que le combat contre Vegeta l'a un peu lessivé. Voilà, c'était en gros la définition. C'était en gros le petit résumé. Donc maintenant, place à l'action contre Ricom, qui me défonce. Il comprend rien à sa vie. Ouais, il a toujours un style punk, hein, je sais pas pourquoi. Surtout quand il est mal fringué et tout et qu'on voit son cul, c'est super. Plus rapide que ça, tu peux pas. Ah oui, vu que là je suis en... J'ai Sangoku mais en deuxième, comment dire... Avec sa deuxième palette de combo, et ben ça va être bien différent. Je ne peux plus faire le Kaioken, mais à la place, et ben il peut se transformer en Super Saiyan. Mais bien sûr, là ça a été bien repris, cette fois-ci on peut pas se transformer en Super Saiyan. Pas comme avant, on pouvait être en Kaioken contre Rabbit, c'était un peu du WTF. Voilà, j'ai envie de dire, les développeurs avaient la flemme d'enlever les techniques quoi qui avaient de base Sangoku, voilà. C'est ça en gros. Ils avaient la flemme de juste les brider quoi. De pas pouvoir les utiliser juste pour ce combat là. Ils les avaient laissés. Alors que c'était bien plus simple dans un Budokai d'enlever des techniques, puisqu'en fait on pouvait faire ce qu'on veut dans Budokai, en fait on pouvait on pouvait enlever et remettre des techniques quand on veut, des compétences. Alors que là ils sont tous ils ont tous leurs propres compétences, tout ça, et on peut rien y changer. C'est ça en fait la différence entre les deux Dragon Ball Z. Et bon, en même temps Budokai, il y a quand même beaucoup moins de techniques que dans Tenkaichi. Enfin, c'est un truc de fou Tenkaichi. On va utiliser, donnez-moi la force, l'énergie, me défonce complètement. Terrien, donnez-moi la force. Monsieur Satan, donne-moi toute ta puissance, toute ta mana. Ah mais j'ai rien reçu, comment ça se fait? Pourtant Monsieur Satan, c'est quelqu'un quoi. Donc
D'accord, on va recharger un peu son Kai. Ok, maintenant il fait carrément un Kai, je me souviens, mais le Kaioken avec le Kamehameha, c'était de la bombe. Enfin, il n'utilise presque jamais. Hein, le... De toute façon, depuis qu'il a appris, de toute façon, se transformer en Super Saiyan, il n'utilise plus jamais son Kaioken. Son Goku. C'est fini. Il dit, c'est fini, je suis à une étape supérieure, je m'en fous maintenant du Kaioken que m'a appris Kaio. Et maintenant Kaio, là, il est triste, hein. Il se dit, putain, mais tout cet effort pour simplement battre un Saiyan. Vegeta. Ouais, il veut aussi Nappa, même. On va dire que Nappa, c'était une sous-merde. Et voilà, là nous sommes contre eux, le plus rapide de l'univers, le grand. Je sais jamais son nom. Et on va le défoncer. Donc avant on était contre Jis, que j'ai battu en 2-2. Comme d'hab. Lui il a l'air un peu plus costaud, mais je sais jamais son nom, c'est un truc de fou. Attends, il le dit pas assez dans l'animé. Et bien sûr, vu que là j'ai un peu augmenté. Oh purée de. Ok, j'ai un peu augmenté ma force, bel et bien évidemment. Il a perdu carrément 4 barres d'énergie, je crois, si j'ai bien vu. C'est pas possible, j'ai utilisé une action replay. C'est incroyable ça. J'ai complètement défoncé. Ah, Nai, c'est un nouveau personnage que j'ai débloqué, c'est Piccolo en gros quoi. C'est un Namek assez puissant qui a donné en fait sa force à Piccolo, voilà. Je crois que c'est l'un des gardiens pour les boules de cristal, voilà, c'est un truc de comme ça, si je me souviens bien. Saga spéciale, seul face au combat final. Et bien sûr, ça, la saga spéciale, on va le faire bien après. Ce sera après même la saga GT, je crois. Je sais pas pourquoi il y a Frédéric Molas, joueur du grenier, alias joueur du grenier, qui n'aime pas du tout Dragon Ball GT, alors que moi, bon, je dirais Dragon Ball GT, c'est pas une sous-merde, c'est saga comme une autre. Certes, c'est moins bon que Dragon Ball Z ou Dragon Ball, mais ça reste quand même de qualité, on va dire. Ça n'a pas été fait par le même gars, mais bon, on va dire que ça reste de qualité. Enfin, déjà, on peut se dire que c'est mieux que Doremi Magique. Alors, la transformation de Freezer est un vrai cauchemar. Ah, et là, on va suivre étape par étape les transformations de Freezer. Et ça, c'est complètement énorme, parce qu'ils ont complètement repris toutes ces transformations, contrairement à Budokai, où ils ont repris quand Freezer est dans sa première forme, et quand il est dans sa dernière forme. Voilà. Donc, que deux formes reprises, alors que là, ils ont repris toutes ces transformations différentes. D'ailleurs, ce qui est complètement con, c'est que... Bah après Freezer, quand on le voit plus tard dans la série, dans GT par exemple, quand on le voit dans le monde des morts, bah on le voit toujours dans sa dernière forme. Il redevient jamais comme ça, donc, je sais pas. C'est bizarre, il peut plus se rétrograder. Je sais pas si ça se dit pour ça. Bah, c'est bizarre quoi. La misère, vous allez me payer, je vais vous tuer à petit feu. Mention spéciale à la voix américaine de Freezer qui est plutôt pas mal partout. Bon, elle est toujours mieux la voix japonaise, mais voilà quoi. Je dirais, ouais. Bon, à côté, quand je voyais la voix de Vegeta, ça me faisait peur. Purée. Surtout parce qu'à l'époque, j'étais habitué à la version française que je regardais à la télé. Et aussi par la suite sur les DVD DivX. Hein. Je sais, c'est un peu contre la loi, mais c'est pas grave. Tout le monde a fait ça, tout le monde. Et donc, là j'ai toujours vu la version française et puis la version japonaise. Je l'ai vu par la suite en regardant Dragon Ball Z Kai. Mais c'est complètement énorme Dragon Ball Z Kai parce que c'est Dragon Ball Z mais repris en HD avec bien sûr. Vu que Dragon Ball Z ça avait pris un coup de vieux, et bah ils ont remis ça à neuf avec le Kai, Dragon Ball Z Kai, et c'est beaucoup plus rapide quoi. Il y a plus d'images par seconde, j'ai l'impression. C'est ça que je veux dire.
Vous souvenez-vous des combats incessants dans Dragon Ball Z qui étaient très répétitifs? Et ben, on rencontre beaucoup moins souvent ça dans le Kai. Ouais. Et revoir ça en HD, c'est que du bol. Ah, il comprend rien à sa vie. Attaque ultime! Je vais détruire la planète et vous avec! Ouais, c'est magnifique. Les effets sont toujours magnifiques. Hein. Ah oui, je disais dans la première partie que oui, cette version Wii, quand je parlais de la version PS2 qui était déjà magnifique, la version Wii est un peu plus affinée et les effets sont mieux faits aussi. Même si la version PS2 reste magnifique aussi. Bon, bon après, t'as peut-être les décors qui ont un peu vieilli, c'est sûr. Quand on voit, c'est assez flou et tout. Mais franchement, la modélisation des persos, c'est... Ouais, quoi. C'est vraiment... Si tu vois ça plus tard en HD, franchement, ça le fait, quoi. Même s'ils y arrivent pas trop, quoi. J'ai envie de dire. Après le Budokai Tenkaichi, il y a eu quoi? Il y a eu... Burst Limit... Je crois que c'était Burst Limit. C'était un sous Budokai, j'ai envie de dire, sur PS3 et Xbox 360. Et puis ensuite, il y a eu... Il y a eu les fameux... Comment ils s'appelaient déjà? Si, mais c'était aussi Burst, il y avait aussi Burst, mais attends... Enfin, il y avait un truc limite avant, dans la version PS3 et Xbox 360. C'était un espèce de sous Budokai, j'ai envie de dire. Et puis après, il y a eu les Burst Limit, voilà, 1 et 2. C'était bah, des Tenkaichi, mais on va dire aussi des sous Tenkaichi. Le seul truc qui était positif, c'était la modélisation des personnages qui était vraiment magnifique. Et qui reste pour l'instant la meilleure modélisation. Et puis d'ailleurs, il y a un Dragon Ball Z qui m'intéresse, on va dire un peu. Je pense, bah, de toute façon, en tant que fan, je suis un peu obligé quand même de l'acheter. Dragon Ball Z Xenoverse sur PC. Alors moi je vais prendre la version PC parce que en fait c'est la grande nouveauté dans ce Dragon Ball Z, c'est déjà que c'est un MMO, déjà c'est déjà pas mal, mais en plus de ça c'est que bah vu que c'est un MMO on crée notre propre personnage, donc on peut choisir toutes les races différentes dans le monde Dragon Ball Z quoi. Le monde de Dragon Ball Z et c'est déjà ça c'est assez sympa et puis en plus bah on revit l'histoire mais avec notre avatar qui va changer en fait le cours de l'histoire et ça c'est énorme. Voilà, pour le coup ça m'intéresse même si ça m'a un peu refroidi quand j'ai vu un peu quelques phases de gameplay. Je me suis dit là c'est pas si bien que ça quoi, je m'attendais presque à du Budokai Tenkaichi. Là ok quoi. ça a pas l'air tip top. Alors, quel problème Vegeta, tu ne vas pas l'aider, il va pas tenir longtemps. Il s'est passé plein de choses, ils ont loupé mais ils ont même pas repris le moment, je me souvenais plus de ça, mais ils ont pas repris le moment où il y avait Ginyu. Putain mais quelle honte. C'était un moment énorme où Ginyu il avait pris l'apparence de Sangoku. Oh bon, tant pis. Ah, il y a le beau gosse Piccolo qui arrive. Il a picolé là, il s'est boosté. Il a fusionné avec Nai. On va dire qu'il s'est transformé en Super Saiyan Namek 1. C'est un peu ça en fait. Ouais, bon. Là, il y a Vegeta qui n'en croit pas ses yeux en voyant, Piccolo. Il a changé, hein. Avant, il était pas très fort, il arrive même pas à battre Nappa, et là, il tient tête à Freezer, quoi. C'est pour ça aussi qu'il y a vraiment beaucoup de changements dans Dragon Ball Z, c'est que les personnages, ils évoluent en 2 secondes, quoi. C'est le seul manga où les persos, ils évoluent aussi vite, quand même. À côté, Naruto, lui, il évolue en 200 épisodes à peine, hein, je dirais. C'est toujours une merde à la fin. Et puis, alors que
Bah là, Son Goku, ça devient un dieu, quoi, au bout du deuxième épisode de Dragon Ball Z, c'est parce que... On exagère, mais... Ouais. Bon, on va un peu le défoncer. Je me fais défoncer. On prend rien. Ouais, une petite tempête mortelle. C'est une espèce de vague d'énergie. Il est fort, Piccolo. Kaiokozen. Je sais pas si ça existe en vrai dans le dans l'anime. Parce que c'est... Piccolo là, il est en forme. Sur la puissance ultime. Sa gueule à côté, c'est normal, c'est... C'est la Wii qui fait du bruit. La super excuse. Je me fais défoncer. Sur Piccolo, il comprend rien à sa vie. Piccolo, Piccolo, il picole. Enfin, je préfère me transformer là parce que je suis un peu dans le caca. Il a 4 barres d'énergie. Je suis un peu n'importe quoi. Pardonnez-moi tout à l'heure, j'étais clairement sous-estimé. Je veux bien sûr que je me transforme encore une fois. Tu es meilleur que je le pensais. J'ai décidé de te faire connaître le véritable pouvoir d'une race inconnue. Je vais suivre ton exemple, je ne retiendrai plus mes coups. J'ai l'impression que déjà que tu étais en pleine puissance. Oui, ça commence déjà. Bras de fer, ça arrive souvent ça. Vague explosive parce que il arrête pas de me foncer dessus. Purée, qu'est-ce qu'il fait? Je suis en train de me faire défoncer. Purée. Je crois que je vais utiliser non-stop la vague d'explosif. Vague explosion. Vague explosif. Je l'ai. Un petit coup là où ça fait mal. Même si les Namek ils mangent pas. Hein. Oh purée. Allez mais... Barre-toi. C'est pas possible. Je vais crever. Je crois qu'il lui reste encore une barre à enlever. Pour pouvoir... pouvoir... Ah voilà, faire C. Vite. Ça sert à rien ton attaque. Bien, je vais vous plonger dans la détresse en réduisant à néant vos maigres espoirs. Je suis le puissant Freezer et ma force se décuple à chaque transformation. Je ressemble à une grossesse. Il me reste encore 2 transformations. Vous savez ce que cela signifie? Que vous êtes dans la merde. What the fuck? Ouais. Admirez-vous, devriez vous sentir privilégié. Vous êtes les premiers à y assister. Ah, elle est mieux cette voix en fait. Là je me concentrais pour faire cette voix magnifique. Ouvrez grand vos yeux. Voici la deuxième phase de ma transformation. La sublime transformation. Mon illégitime métamorphose. Et je deviens encore plus un démon qui ressemble à rien du tout. Bien, d'accord. Il est très rapide maintenant. C'est même là où il est le plus rapide. Hein. Il est même plus rapide que lors de sa dernière forme. Ce qui est assez incroyable. Mais en fait, il devient le guerrier le plus rapide du monde. Hein. C'est plus le commando Ginyu, maintenant c'est lui. Boum. Je comprends rien, t'as V, mais moi je me fais défoncer. A noter aussi que le Kai se recharge moins rapidement quand on est sous la flotte. Tu le dégages.
Tu gages. Toi, en mode difficile, t'es costaud, toi. Non. Oh, puis qu'est-ce que je fais? Oui. Plus vif que ça, c'est pas possible. Ouais. Petite téléportation. Ça fait toujours plaisir. Il a encore esquivé mon attaque. Il arrive bien à esquiver quand même. Ah, j'arrive plus à faire les chops. Attends, c'est B en avant, mais attends. Eh, hey, mais viens! Ah, il s'enfuit, le bougre. Alors, haute tension, ça permet de gagner un peu de caille, mais surtout, pour pouvoir avoir un petit bonus quand on recharge son caille, ben, on le recharge beaucoup plus vite. Allez, magnifique attaque pour la fin, puis il est toujours pas mort. Il a esquivé mon attaque, mon rayon de la mort. Bon, maintenant, il y a Sangwan qui pète un câble. Puissance max. Ce qui est fou, c'est que c'est exactement cette attaque-là qui fait aussi. Bon, je sais, j'arrive pas de m'extasier quand il y a quelque chose qui ressemble à l'animé, mais voilà quoi. En tant que fan, voilà. Alors, on va défoncer le petit Sangwan rapidement. Il est quand même assez costaud, attention. Bon, il est quand même moins fort que Piccolo. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que Piccolo il m'a un peu mis KO avant. J'ai déjà quand même plus beaucoup de barres de vie. Bon, là si je veux, je le tue direct, mais bon, moi je préfère passer en dernière phase, hein, pour le fun. Je pense qu'on fera ça. Hein. Si je suis bien parti comme ça, en tout cas. Si ça peut aller. Sinon, si je suis dans la merde, que c'est mieux de finir le combat plus rapidement, ben voilà, on sera obligé de skipper un peu le scénario, quoi. Cette boule d'énergie qui vient d'être envoyée, tu es devenu plus fort, Sangwa. Le problème, c'est qu'à chaque fois, je sais jamais qui parle, puisque mon son est tellement bas. Je suis si heureux. C'est émouvant. Mais ça n'aura servi à rien. J'ai jeté toutes mes forces en bataille. Ah, c'est parti, là. Les voix de Zelda, là, ça revient. Les voix que je faisais dans The Legend of Zelda Wind Waker. Ça revient. Écoute. Je n'aurai aucun mal à vous réduire en poussière sous ma forme actuelle. Mais je vais vous montrer l'étendue de mon pouvoir ultime. Au-delà de tout. Je vais être généreux et vous le montrer, ma forme finale, ma véritable apparence. Regarde cette énergie spirituelle. J'ai envie de chier. Magnifique, n'est-il pas? What the fuck? Ah, de dire ça, toi. C'est ça, sa véritable puissance. Sa véritable forme. Il est plus petit, plus mince, moins impressionnant. Eh oui, l'habit ne fait pas le moine. En comparaison, il était inoffensif. Auparavant. Attends. En comparaison, il était inoffensif. Ah oui. J'avais pas tout le complet, la phrase. Il le dit assez bizarrement. C'est formulé assez bizarrement. Ouais, je défonce Vegeta maintenant, c'est Vegeta qui dit putain mais je suis un super Saiyan. T'as pas pris de la coke Vegeta? Merde, je crois que j'en ai pris. Ouais, oui, c'est Vegeta qui se sent supérieur là parce qu'il s'est fait défoncer en fait pour devenir un super Saiyan comme il dit, même s'il devient pas un super Saiyan. Les Saiyans, ils ont cette particularité d'être bien plus forts qu'auparavant quand ils sont presque morts et qu'ils se font soigner après. Bah, il a fait exprès de dire à Krillin de l'attaquer, hein, que Krillin attaque Vegeta pour que Vegeta soit grièvement blessé et qu'il se fasse soigner par Dende. Et comme ça, et bah, il devient pas un super Saiyan mais un peu plus fort.
Mais ce moment-là était assez drôle, hein, je m'en souviens. C'était assez comique. Et Freezer qui se foutait un peu de sa gueule. Ah. Ça fait tellement longtemps que de toute façon j'avais pas vu Dragon Ball Z. Même Kai, hein, ça fait un petit moment. Que voilà quoi. Je m'en souviens quand même très bien, mais. Je l'avais regardé plusieurs fois, hein, c'est pas rien cette série quand même. J'ai envie de dire, c'est le premier vrai shonen, hein. C'est pas Goldorak. Que voilà. C'est le premier vrai shonen avec, à ce qui paraît, Senseiya. Mais Senseiya et Chevalier du Zodiac, je l'ai pas trop regardé. Faudrait peut-être que je m'y mette parce que il a une réputation de ouf. Et en plus de ça, il y a Eric Legrand qui fait la voix d'un personnage là, du héros, je crois. C'est celui qui fait la voix de Sangoku aussi. C'est pour ça que c'est pas rien. Et donc voilà, maintenant nous allons être contre Freezer avec Sangoku. Et là, Vegeta n'en croit pas ses yeux. Il voit que Sangoku est aussi fort que Freezer. Bon, Sangoku, c'est... J'ai envie de dire, c'est... C'est le miracle de la nature. Je me quand il arrive, il sauve le monde. Alors, c'est toi, Freezer. Tu es beaucoup plus petit que j'imaginais. Ce que j'imaginais. Putain, j'ai du mal à lire ses sous-titres, c'est ouf. Ah tiens, non, que l'une des vermines a survécu. Carotte, c'est toi. Carotte, mais c'est un nom de lapin. Lui. Et un saint, regarde, ça y est, une qui s'est opposée à moi quand j'ai détruit la planète Vegeta. Et voilà, c'est tout. Vous voyez, il y a vraiment pas beaucoup de dialogue, mais on va dire que les fans, au moins, ils comprendront direct. Mais bon, par contre, ceux qui n'ont pas suivi le manga, je dirais que... Mais bon, qui n'a pas suivi Dragon Ball Z? Ouais, pour moi, ça me semble incroyable, celui qui ne suit pas Dragon Ball Z. Je sais pas. Celui qui ne suit pas Dragon Ball Z, c'est sûr, il a suivi aucun manga, quoi. Aucun shonen. Parce qu'il peut peut-être suivre des mangas, mais... Ça peut être des mangas comme l'hentai, les trucs de merde, quoi. Mais pas les shonen. Les shonen, meilleurs mangas, quoi. Enfin, je me fais défoncer. Ah, et aussi, je vous ai pas dit... On peut se protéger de différentes manières. Soit pour les attaques, je dirais, type normal. Soit vers le bas, soit vers le haut. Parce qu'on peut faire des attaques vers le haut et vers le bas. Vous avez sans doute vu. Bah j'en ai fait, hein. Par exemple la pouf, un coup de pied vers le bas. Vous voyez, c'est quand même très très technique. Hein. Purée, non! C'est pas possible! Je me suis encore fait toucher. Ah mais là je me fais défoncer, là ça va être peut-être la fin du monde. Regardez-moi sa barre de vie! Moi je lui fais un petit kamehameha qui lui effleure le nez. Freezer, je te déconseille de combattre de toutes tes forces. Il est devenu ce que tu crains le plus. Un super Saiyan. T'as vraiment fumé de la cocaïne avant. Exactement, c'est le seigneur des guerriers, le super Saiyan. Freezer, tu es condamné. Allez, c'est vrai que Freezer il va s'énerver, il va tuer Vegeta. Tout ce que tu mérites. D'ailleurs, ils vont mettre cette phase là, je crois. Enfin, ça sera vite fait. Voilà, ils changent. Tu sais à quel point je te déteste, les blagues débiles. Je déteste les blagues débiles. Meurs. Cette voix tellement virile. Écoute-moi, Carotte. Notre planète, celle où tu es né. La planète Vegeta n'a pas été détruite.
lors d'une collision avec une météorite géante. Ouais, il est un peu long là. Allez, elle était détruite par Freezer. Alors dire que j'ai transperté son cœur et il s'approche, tu vas te taire, oui, machin. Il s'accroche, hein, le petit vénard. Nous sommes les seuls survivants. Ton père, mon père, le roi, tout est mort. Tous morts. Il faut un carotte. Bah, Freezer, au nom de tous les Saiyans. Je sais pas ce que j'ai avec ces sous-titres, hein, j'ai du mal. Des fois, je vois toutes, alors que c'est tous. Ça y est, il est enfin mort. Bien, nous pouvons reprendre le carnage. Maintenant. En vrai, c'est très lisible. Hein. C'est peut-être parce que... Je sais pas. J'ai un problème. Par contre, je peux pas trop lire en même temps que je combat. C'est de devoir mener une existence d'esclave. Ça a dû être pire que la mort. Ouais. Nous avons peut-être été ennemis, mais je respecte et je respecte ta fierté. Et je me fais défoncer pendant que je lis. C'est... Enfin voilà, cette idée de des personnages qui parlent en même temps, c'est bien, mais en même temps tu peux pas trop lire. Il faut être japonais pour tout lire, pour tout suivre. Mais bon, quand on a déjà regardé l'anime, voilà. Téléportation. Cette puissance infinie. Je suis à côté du Super Saiyan. La force spirituelle m'envahit. Bon là je crois que je deviens un peu cinglé. Allez, on va faire serre en bas. Plus fort, je dirais même incroyablement fort. Oh merci. Ok. Avant cela, laisse-moi te poser une question. Accepterais-tu de travailler sous mes ordres? Tu plaisantes, j'espère. Tu crois vraiment que je vais accepter ton offre? Bien sûr. Jamais douté de ta réponse. L'entêtement des Saiyans confine souvent à la stupidité. Eh bien, soit, ta voie est désormais tracée. Tu vas mourir. Waouh, je m'y attendais. Nous verrons bien, ce sera moins facile que tu le penses. Et après, il va dire, je suis ému par ta force. Merde. L'habitude de Sangoku, quoi. Mon dieu, tu es trop fort. Mais ça m'excite. Là, l'ennemi se dit, ok. Ah purée. Ah non. Mais non. C'est pas possible. Ouais, Gangidama, c'est pas possible. Je fais n'importe quoi. Moins 9000 de dégâts, c'est bien. Oh purée. Allez, ça va me plaire. La phrase toute pourrie. Ça va me plaire. Je vais me faire botter le cul, mais ça va me plaire. Ah merde. Bah, il va faire sa puissance max, purée, c'est imbécile. Oui. Et je vais l'enchaîner là, purée. Oh putain. Il est en puissance max lui aussi, donc il a fait un gros coup. De la mort qui toutou. J'ai eu de la chance, c'est terminé, j'ai perdu. Ok. Enfin, il dit ça à chaque fois, attends, et même contre Vegeta, il disait ça, quoi. Je peux pas rester là sans rien faire, j'y vais. Ah, Sangoku prépare quelque chose. Bien sûr, le Kangitama. Ah, et c'est là qu'on va utiliser le grand, le puissant Piccolo. Il a picolé, il s'est requinqué. Allez-y maintenant. C'est parti.
Purée, non, mais c'est pas possible. À chaque fois, il me compte si facilement. C'est quoi ce qu'il y a de ouf? D'accord, j'ai complètement loupé. Bon, là, il faut que je compte son truc. Il se dérouille quand même, hein, purée. Purée, je veux pas être à l'article de la mort. Ah, magnifique combo. Bah, c'est... Là, c'est encore une animation reprise de... Reprise du dessin animé. Dégage. C'est quand Piccolo, il balance un Cyberman en lui... En lui dégommant la tronche avant avec pas mal de coups physiques. Et puis après, tu... Il l'envoie valser dans les airs et envoie un rayon destructeur. Voilà. Magnifique ce coup. Hein. Ça, tu rentres toujours dans les parages, misérable Namek. Dégage, je crois qu'il a un pouvoir pour soigner, je suis pas sûr, on va regarder ses compétences. C'est où? Alors, Z et X, ça on s'en fout un peu. Pleine puissance, onde maléfique, Bakuretsu Mahoko. Ok, c'est quoi ce truc? Ah non, mais je regarde que dans... Ah non, il a que deux trucs. Pleine puissance ou Kaiokozen, d'accord, non, il peut pas soigner. Je sais pas, il me semblait qu'il pouvait soigner, je sais plus. Ah, mais non, ou alors c'est... Non, ça doit être une autre forme de Piccolo. Parce qu'il y a, bien sûr, il y a plusieurs Piccolo dans le jeu. Tout à fait. Purée! Oh bon, vaut mieux se barrer. Ah non, c'est encore pire avec son Goku, purée. Qu'est-ce que je fous? Et je vais me faire défoncer, hein. Là je vais faire mon petit joueur. Ça sera peut-être mieux. Oh purée. Mon dieu. Oh non, il va détruire la planète. Ok. Ah voilà, je l'ai eu. Bon, je préfère quand même utiliser C en bas, hein, parce que je suis un peu dans le caca. Voilà. Voilà. Baissez-vous! Et voilà, c'est là que je vais le pulvériser avec le Genki Dama. Purée, cette partie elle dure longtemps, nous sommes déjà à 38 minutes. Bon, je sais pas si vous aimez quand je pète un peu un câble et que je suis un peu trop à fond dans l'action. Mais... Voilà, sinon je dis rien quoi. Parce que quand je suis à fond dans ce jeu là, voilà, plus rien ne peut m'arrêter. Voilà, on sauvegarde un petit coup. Sauf les sauvegardes. C'est saoulant. C'est le seul mauvais souvenir que j'ai de ce jeu. Le super guerrier légendaire, et là c'est le dernier. Là c'est la dernière partie de ce scénario. Quand en fait Sangoku, vu que bah. Freezer a tué Krilin, son meilleur ami, et donc Sangoku se transforme en Super Saiyan par colère, voilà. Et pas par cocaïne comme le fait si bien Vegeta au début. On a pu plein de fois sur A, ça fait... Il mange plus de bol de nouilles, c'est bien. Croyais-tu vraiment que j'allais te laisser filer? Je vais tous vous écraser comme les ancêtres que vous êtes. Non, comment tu peux? Tu vas le payer! Fils d'extraterrestre! Oh là là, cette insulte! Allez, c'est parti. Loupé. Purée. Qu'est-ce qui se passe? Je me fais défoncer. Ah, je...
commence à plus maîtriser les téléportations. Je sais pas pourquoi au début j'arrivais plus. Ah, la dernière fois que j'ai joué quand même, c'était bon, certes, il n'y a pas très longtemps. Il y a 3 mois je crois, mais. Voilà quoi, quand je me suis entraîné avec Firefly, Firefly c'est une grosse bouse. Voilà. Ouais, c'est pas tip top. Allez, on se transforme en super guerrier. Freezer, tu vas payer. Ah, c'est beaucoup le beau gosse. Je suis maintenant devenu un super guerrier. Un super Saiyan Jin. Et donc ses coups ont décuplé. Ils sont aussi bien différents. C'est ça la force de ce Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi aussi, c'est que on peut se transformer en plein combat comme ça, comme dans Budokai aussi. Sauf que dans Budokai ça augmente juste un peu la puissance d'attaque. Alors que là carrément c'est. Il est plus rapide, les attaques sont complètement différentes. Donc voilà, c'est complètement fou. Par exemple ça, voilà, il n'y avait pas cette attaque là avant, mais là j'arrive pas à l'avoir. On recommence. Purée ! Ah purée, en plus il m'a contré avec son truc. Bien sûr, je me suis fail sur le rocher m'a sauvé. Purée, esquive. Purée, il est en forme là. Allez, on va utiliser la technique de la sauvagerie. Petite technique secondaire encore, c'est pour contrer. Il y a aussi d'autres personnages, ils ont pas sauvagerie, ils ont quoi ? Ils ont. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est peut-être. C'est pas téléportation instantanée, mais. Non, ça c'est Sangoku. Encore. Technique qu'il apprendra quand il sera contre Cell. Ah, c'est complètement. Attends, vous avez vu ça quand il a fait le Kamehameha ? Voilà quoi. C'est complètement énorme quoi. On est même pas encore en HD. Non mais après on... C'est ça le problème, c'est que pour le prochain Dragon Ball Z qui était sur PS3 et 360, on s'y attendait vraiment à une pure bombe, que ça soit presque du Budokai Tenkaichi, que ça soit presque le Budokai Tenkaichi 4 quoi, que ça serait hyper beau graphiquement, ça serait tout ça mais en HD, vous imaginez, voilà, avec des décors magnifiques repris de la série animée. Mais non, ils sont passés à côté, c'est devenu un jeu, un simple Budokai, et franchement, il est pas plus beau que ce Tenkaichi 3. Voilà. Franchement, je préfère la modélisation de ce Tenkaichi 3 que celle qu'ils ont sur la version PS3 et 360, parce qu'ils font assez plastique, je trouve. La version PS3 360. Parce que... Bon, après, dans Burst Limit, se sont bien améliorés, c'est bien plus beau. Dans l'espèce de sous-Budokai, voilà. Je dirais que c'est moyen. C'est bien. Ça reste quand même beau, hein, mais bon. Quand on a vu ce qu'était Budokai Tenkaichi 3, c'était vraiment la grosse déception pour moi. Parce que, voilà, comme je disais, je m'attendais vraiment à un jeu de fou. Et... Après, je me suis dit, tant mieux, je vais pas m'acheter le PS3. C'est ça, en gros. Franchement, si c'était un Budokai Tenkaichi 4, j'aurais fait la PS3 juste pour ça, quoi. Non, il... Peut-être aussi pour Ratchet & Clank, parce que c'est un jeu de fou, aussi. Mais bon, c'est pas non plus... Le truc que j'attends le plus... Ouais, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est un Budokai Tenkaichi 4, c'est... Ça serait complètement énorme. Bien sûr, le Xenoverse, il a l'air vraiment sympa, mais ouais. Faudrait qu'il s'améliore au niveau des combats. Faudrait que les combats, ils soient... Au pire, faudrait qu'ils mettent exactement les mêmes combos que ce Tenkaichi 3. Mais voilà, ça serait 10 fois mieux qu'ils essayent d'innover et de faire de la merde. Franchement. Moi, je comprends pas, quoi. Je comprends rien à sa life. Le niveau de détail, quoi, quand tu fais les attaques énergétiques,
C'est ouf. Vaiko. Non mais là je le défonce hein. Je le déboîte, sa boîte crânienne en 8 hein. Bon allez, petit C en bas hein, pour lui faire plaisir. Mais bon, de base franchement si... Franchement c'est juste pour vous là que je fais ça parce que sinon je l'aurais défoncé. Ça a été mieux. Parce que là je pense qu'il va quand même regagner son énergie en faisant ça. Bon là ils reprennent un peu ce qui se passe dans le manga, c'est que d'un coup ils s'arrêtent d'attaquer. Et puis qu'est-ce qu'il y a? Et ben ils se parlent. D'accord. Ils arrêtent le combat comme ça et puis ils parlent, ils causent. Je pense que personne dans l'univers ne pouvait te surpasser, mais je t'ai prouvé le contraire. Et pour couronner le tout, je ne suis qu'un misérable Saiyan. Oui, un misérable Saiyan qui ressemble à un dieu. Ça va, qu'on n'aurait aucun sens. Tu trembles déjà. Tu devras vivre avec cette honte durant le reste de ton existence, misérable et solitaire. En fait, il est cruel, Sangoku. Ouais. Au lieu de tuer simplement Freezer, il préfère le laisser comme ça. Et laisser cette honte l'envahir jusqu'à la fin de ses jours. À Freezer. C'est pire que de mourir, quand même. Hein. Faut y réfléchir, quand même. Enfin, pour un guerrier, c'est pire que de mourir. Que de mourir dans la dignité. Et enfoncé en bas. Voilà, ça va être là l'espèce d'attaque ultime à la fin, je pense. Ah oui, ça c'est quand Sangoku lui donne de l'énergie en gros, à la fin. Donc là, ça va vraiment être le truc final, même s'il aurait toute sa vie, bah, il serait mort en un coup. Quoi. Ouais, puisque ça fait voilà 99 999 de dégâts. Ce qui est totalement n'importe nawak. Et voilà. Ça ne te ressemble pas de mourir en sanglotant. D'accord. Waouh. Quelle phrase culte. Non, en fait, quand j'y pense, Sangoku, il a pas trop la classe. Où est Vegeta? En gros, c'est ça. Enfin, voilà. Nous avons fini ce magnifique scénario. Ce Karo a finalement vaincu Freezer. Un jour, j'en deviendrai un. Je deviendrai un super Saiyan. Hein, qui es-tu? Tu es Vegeta, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça peut te faire, connard? Oh, ma vue! Casse-toi! Maman ne me l'avait pas décrit comme ainsi. Il est vraiment odieux. Il faut absolument demander à Sangoku de s'occuper de ses cyborgs. Voilà ça. Freezer est finalement vaincu par Sangoku et la paix revient dans l'espace. Cependant, la paix retrouvée n'est pas totale. Oui, parce que ce Freezer arrive sur la Terre. Un danger à me souvenir arrive du futur. Parce que Freezer revient de la Terre. Je sais pas si... Non, je crois que ça, c'est dans le mode scénario, mais saga spéciale. Je sais plus comment ils appellent ça. On va voir ça. On dirait que tu aimes te battre toi aussi, blablabla. Oui, j'aime bien toucher ma manette, c'est super. La saga spéciale, de nombreux ennemis puissants t'y attendent. Voilà, c'est la saga spéciale. Et voilà, vous aurez cette saga à la fin. Bien sûr. C'est le grand suspense. Mais on continuera par les cyborgs. Hein. De nombreux Saiyans font leur apparition. Et des cyborgs aussi. Voilà. Bah évidemment, puisqu'il y a marqué les cyborgs. C'est vrai que Vegeta se transformera en Super Saiyan. Parce qu'il s'est entraîné sur une autre planète, je crois. Attends. Mais en fait, il s'est entraîné dans l'espèce de SAS. Comment ça s'appelle? L'espèce de vaisseau là. Qu'a créé Bulma. Puisque il s'est marié avec Bulma par la suite. Enfin, marié, je sais pas, mais Bulma était sa petite copine par la suite.
Et donc il a pu s'entraîner avec la technologie que lui offrait Bulma là, avec son espèce de vaisseau là. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez. Il pouvait s'entraîner dedans et être comme s'il était dans une autre planète. On voyait ça aussi dans... On voyait aussi ça quand Sangoku, il allait arriver sur Namek. Voilà. En gros, c'était ça. Donc voilà, toutes ces choses-là que je vous raconte, là, comme ça, au hasard, et bah, on les a pas quand même dans ce mode de scénario, ce qui est un peu dommage. Hein. Mais bon. Contrairement à Naruto, par exemple, Naruto sur PC... Je sais jamais son nom encore une fois, c'est un nom de psychopathe, je crois que je l'oublie. Eh bien, c'est un truc du genre, c'est Ultimate, Naruto Shippuden Ultimate, Burst Limit, machin bidule chouette, 3, voilà, 3. Il y a un 3, je me souviens d'un 3. Il est sorti en 2000, bah l'année dernière. Je crois que c'est 2013, mois de septembre 2013, je crois, un truc comme ça. C'était quand même un jeu très récent. Et oui, c'est Naruto, et ben, il reprend vraiment le scénario, mais de bout en bout, hein, vraiment, mais tout de chez tout. Tu fais un petit combat, et après tu te tapes 30 minutes de scénario. Je vous jure, c'est ça. Ils reprennent, mais vraiment tout en cutscene, et franchement, les cutscenes sont extrêmement bien faites. Donc c'est assez incroyable quand même que les développeurs ils aient eu le courage de tout refaire, tout ce qui a été fait sur l'anime. Ça, franchement, je leur dis chapeau. Contrairement à ce Budokai Tenkaichi 3 où ils mettent l'essentiel en fait. Donc voilà, sur ce, je vous dis à l'envoyeur pour de nouvelles aventures. Pour rencontrer, pour la première fois, les cyborgs. Et le beau gosse, Monsieur Satan.